sait aujourd'hui que la robotique est un outil de compétitivité, permet d'améliorer la qualité de vie au travail. Et donc, il y a beaucoup d'apports à ces nouvelles technologies. Ce sont des moyens de réconcilier les hommes et les machines, finalement. Initialement, quand on a commencé à utiliser les algorithmes pour faire ce qui est devenu ensuite de l'intelligence artificielle, on l'a surtout utilisé sur de la pensée convergente, c'est-à-dire des problèmes où il y a une seule bonne réponse. Aujourd'hui, on utilise aussi l'intelligence artificielle sur de la pensée divergente, c'est-à-dire sur de la créativité. Donc, on va poser à l'algorithme une question complexe et on va laisser l'algorithme partir un peu dans tous les sens et voir ce que l'algorithme répond. Il y a une forme d'intelligence, c'est-à-dire de résolution de problèmes, de réponse adaptée à une question. Par contre, ce qu'on n'a pas dans l'intelligence artificielle, c'est la conscience. Il n'y a pas de raison de croire qu'il y a une conscience qui émerge. Et s'il n'y a pas de conscience, je ne pense pas qu'il y ait non plus d'émotion. Les robots ne peuvent faire les tâches des humains que si les tâches en question faites par des humains ont préalablement été robotisées. Autrement dit, la cohabitation soit aboutira au fait qu'on va robotiser des tâches humaines pour les rendre faisables de façon concurrentielle par des robots, ou au contraire, on va préserver comme activité des humains toutes celles que les robots ne pourront pas faire.